Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon intitulée « Décrire un lieu ». S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin, puisque je vais vous expliquer ce texte, puis on va répondre aux questions qui sont figurées dans la page 80, et enfin, je vais vous montrer comment rédiger un texte descriptif ou bien comment décrire un lieu. Également, je vais vous montrer un exemple. تابعوا الفيديو حتى الآخر. لأنني سأقوم بشرح كيفية وصف مكان وسأقوم كذلك بإعطائكم مثال عن مكان الذي قمت بوصفه وكذا في آخر الفيديو سأعرض عليكم فيديو رائع جدا في آخر هذا الدرس سأعرض عليكم فيديو رائع جدا للمكان الذي سأصفه حقا يستحق المشاهدة وكذا الزيارة. Voilà, commençons par la lecture et l'explication de la lettre. Salut Sarah, devine où je suis. Devine, ça veut dire imagine, تخيلي. Devine où je suis. À Lokemden, c'est une station de ski qui se situe à environ 80 km de Marrakech. Lokemden, vous connaissez tous, Lokemden se trouve à Marrakech. C'est une station de ski, يعني محطة تزحلق ou تزلج. Qui se situe à environ 80 km de Marrakech, dans le Haut Atlas, Fijibel Atlas El Kabir. C'est mon endroit préféré. C'est magnifique, surtout pendant l'hiver. L'hiver, chita. Je suis arrivée le samedi dernier. Il y a de la neige partout. Mes parents, partout, ça veut dire fil le makan. Mes parents passent leur temps à se balader dans les villages. Walidei, yani abi wa ummi, passent leur temps et amdian waqtahuma fi at-tanazzuh, se balader, tanazzuh dans les villages. Et moi, dans les villages, ça veut dire fi al-qura, qura hada al-makan. Et moi, je suis avec mes copines. On fait du ski tout le temps. Naqoum bi tazalluj kull al-waqt. C'est génial. Hada ra'i. J'ai même pris le téléphérique. Le téléphérique, le voilà. Le téléphérique, il y a de l'adet. Là, tu narkabouha, mais je t'en ai zou. Pour monter, voilà. J'ai même pris le téléphérique pour monter et admirer les paysages. Mais je l'ai mouchahedet ou l'estimter bil manadir. Quelle peur! Yani, hasset bil khouf chadid, yani. Quelle peur, al khouf. Mais la vue était superbe. À mon avis, c'est le plus bel endroit de ma région. Je te montrerai les photos. J'aimerais bien rester, mais je dois rentrer. Les cours commencent lundi prochain. Doros, ça t'abda l'itnein al-mokbil. Biz, ma cousine préférée. Kouboulati, qaribati, ma cousine al-qariba, préférée al-mufaddala. Hanan. Passons maintenant à la compréhension du texte. Qui a écrit ce message? À qui? Qui a écrit ce message? Yani man kataba, hada al-khitab, hada al-message. À qui? L'imen. Place les lettres A, B, C, D, E, F dans les cases indiquées dans le texte. Hana utilise une formule de congé. Donc, 1, on va le placer dans la place où Hana utilise une formule de congé. La formule de congé toujours se trouve à la fin de la lettre. Elle trouve l'akhir de la lettre. Hana situe son endroit préféré. Yani Hana qamat bi'ata mawqi' l'makan ladi حبت أو المفضل المكان المفضل يعني قامت بتحديد الموقع سيتو يعني تحديد الموقع حنان سيني سالتر سيني ça veut dire la signature أمضت قامت حنان بإمضاء رسالتها حنان دي ce qui lui plaît explique pourquoi يعني قامت حنان بقول ما الذي الأشياء التي أحبتها وأعجبتها في ذلك المكان وشرحت لماذا حنان utilise une formule de contact. يعني استعملت حنان فورمول دو كونتاكت يعني البدايه ديال لا لتر كتكون فيها لا فورمول دو كونتاكت كوم سالو شير يان سو دو سويت حنان اكسبريم سون اوبينيون يعني قامت حنان باعطاء رايها في المكان
Où est partie Hanan? Aïna dhabat Hanan? Quelle activité a-t-elle adoré? Ma hiya? Ma huwa an-nashat alladhi habbatah? Yani qamat bi nashat ma fi dhaka al-makan. Quelle expérience lui a fait peur? Ma hiya at-tajriba allati akhafatah? Qui a écrit ce message? C'est Hannah qui a écrit ce message. À qui? À Sarah. Place les lettres A, B, C, D, E, F dans les cases indiquées dans le texte. Voilà, je vais vous montrer le texte. Voici les lettres. E désigne la formule de contact. Salut Sarah. B désigne la situation de l'endroit où Sarah y allait. C'est le Camden. D, l'explication, les activités qu'elle a fait, l'explication. F, son avis. Donc, ce qu'elle a admiré. A, formule de congé. E, la signature. Où est partie Hanan? Hanan est partie à le Camden. Quelle activité a-t-il adoré? Il a adoré le ski. Quelle expérience lui a fait peur? L'expérience qui lui a fait peur est le téléphérique. Et maintenant, je vais vous montrer quelques éléments, quelques outils que vous devez employer pour décrire un lieu. الآن سأعرفكم على بعض الأشياء, بعض الكلمات التي يمكن استعمالها من أجل وصف مكان ما. Donc, pour décrire un lieu, je dois. Qu'est-ce que je dois faire? ماذا علي أن أفعل? Je dois chercher un endroit que je connais bien et que j'ai déjà visité. يعني علي أن أبحث عن مكان ما سبق لي أن قمت بزيارته أو أعرفه جيدا. Par exemple, j'ai donné juste des exemples. هنا عطيتكم غير بعض الأمثلة. مثلا مراكش. قمت بزيارة مدينة مراكش. أو بيان رباط, الرباط, أكادير, تفراوت, أزمور, ينسو دو سويت. Je dois faire quoi encore? Ajouter sa distance du lieu où j'habite. يعني غادي نعطي الموقع ديالها, البعد ديالها على المكان الذي أسكن فيه. Par exemple, je dois écrire il est situé à environ par exemple 15 km de ma ville ou bien 60 km de ma ville, يعني كتبتعد على المكان او تبعد عن المكان الذي اسكن فيه بقرابه مثلا واحد الرقم ديال الكيلومتر. Je dois aussi écrire les endroits célèbres de ce lieu, يعني عليا ان اكتب الاماكن المشهوره في هذا المكان. Par exemple les monuments historiques, يعني المآثر التاريخيه. J'ai cité quelques monuments historiques connus dans le Maroc. C'est la mosquée Al-Koutoubia. Donc, la mosquée Al-Koutoubia, يعني جامع Al-Koutoubia, ou Soma Al-Koutoubia, موجودة في Marrakech. La tour Hassan, يعني Soma Hassan في الرباط. La Kasba d'Agadir ou Fulla, Kasba d'Agadir ou Fulla في Agadir. Grotte d'Hercule, Magharat, Hirakl في Tanja. Donc, j'ai cité juste quelques endroits, quelques monuments historiques connus. Pardon. Je dois aussi situer les endroits naturels. Les endroits naturels, يعني الأماكن الطبيعية, comme les cascades d'Ozod, مثلا شلالات الأوزود, ou bien des موزر, les cascades شلالات الموزر, les bains de sable, حمامات الرمال, حمامات الشمسية وحمامات الرمال موجودة في زاغورة, lac Ifni, بحيرة Ifni موجودة في توبقال, le fleuve Om Rabi, يعني واد أم الربيع الموجود في أزمور par exemple. Les espaces culturels, يعني الأماكن أو الفضاءات الثقافية الموجودة في المكان الذي أريد وصفه أو وصفه. Par exemple le théâtre, يعني المسرح, يعني في ذلك المكان كاين المسرح, يعني غادي نوصف المسرح, le théâtre, le cirque, les complexes culturels, يعني المركبات الثقافية الموجودة في المكان الذي أريد وصفه. Les espaces économiques, يعني الفضاءات الاقتصادية, les centres commerciaux, يعني المراكز التجارية, les souks, الأسواق. Voilà, donc voilà les endroits que je peux utiliser pour décrire le lieu que je veux, ou bien le lieu que je vais, donc, dont je vais parler. Pour valoriser le lieu que je décris, je dois, يعني باش نرفع من القيمة ديال المكان اللي بغيت نوصفه. يعني on a déjà fait exprimer un jugement valorisant, يعني عطي واحد القيمة. Je dois insérer les moyens de caractérisation déjà étudiés, يعني غادي خصني نضيف انسيري, يعني إضافة الأدوات التمييز والوصف التي قمنا بدراستها سابقا. يعني كنذكركم راه فايت ليا شرحت لكم الدرس ديال exprimer un jugement valorisant. Par exemple les adjectifs, beau par exemple, beau, agréable, attirant, splendide, ravissant, merveilleux, etc. Des relatives, par exemple, où je me promène,
que j'adore, qui attire mon attention, etc. Des superlatifs comme le plus beau, bien la plus belle, la meilleure, bien le meilleur, etc. Et voilà, maintenant on passe à j'applique et je transfère. D'accord ? On va découvrir tout ça ensemble. Décrire un lieu, page 79. Salut, donc vous allez insérer le nom que vous voulez ici. Salut quelqu'un, bien cher quelqu'un. Ça marche ? Je vais te parler de l'endroit où je passe mes vacances actuellement. Ça marche ? Je vais te parler de l'endroit où je passe mes vacances actuellement. Ça te parle de quelqu'un, il a dit actuellement. Il s'agit d'une merveilleuse campagne située à environ 56 km d'Agadir. Et située à environ 56 km d'Agadir. Tab'oudou bi hawalay 56 km à Madinat Agadir. Nommé Imouzar Idaoutanen. Moussammat Imouzar Idaoutanen. Il comporte de grandes cascades. يعني تتكون أو فيها مثلا de grandes cascades, شلالات كبيرة, et de nombreux bassins, وأحواض كبيرة, où je me baigne plusieurs heures sans arrêt. Il comporte de grandes cascades et de nombreux bassins où je me baigne plusieurs heures sans arrêt. التي مثلا me baigne يعني أسبح فيها لساعات طوال بدون توقف. Et où je me profite d'un certain calme incroyable. كما استفيد في هذا المكان استفيد من الكالم يعني le calme من هدوء جميل جدا incroyable أو هدوء لا يصدق. Dans cette campagne في هذه القرية en automne les chênes prennent de belles couleurs. في الخريف les chênes يعني الأشجار أشجار واحد نوع ديال الأشجار سميتو لي شين prennent de belles couleurs. تأخذ لونا جميلا في الخريف. Voilà. En hiver, في الشتاء, plusieurs espèces de rapaces y rejoignent et il neige parfois abondamment. مجموعة من الأصناف طيور, الطيور التي تعيش في الغابة كتسمى دي rapaces, y rejoignent, يعني تأتي إلى هذا المكان, et il neige parfois abondamment. في بعض الأحيان تتلجو أو تتلجو بشدة. Au printemps, في الربيع, les amandiers fleurissent. أشجار اللوز تزهر. Et les montagnes portent à nouveau leur manteau vert et parfumé. والجبال ترتدي أو ترتدي الجبال من جديد. Leur manteau, le manteau يعني معطفها الأخضر و العطر يعني هنا استعملت واحدة فيجور دو ستيل اللي هي لا بيرسونيفيكاسيون يعني شخصت الجبال لي مونطاني بورت ان نوفو لو مونطو نورمالمون راه الانسان هو اللي تيلبس لي مونطو ولكن هنا بغيت نضيف واحد اللمسه ديال الحياه وانا نقول بورت ان نوفو لو مونطو فير يعني مونطو فير هنايا كنقصد به الارب يعني الاعشاب أو العشب يبارفومي يعني الأعشاب نورمالمون راه كتكون عندها رائحة زكية. A mon avis, le dernier paragraphe, كان عطي الرأي ديالي. A mon avis, في رأيي, cet endroit est l'un des plus beaux lieux naturels du Haut Atlas. هذا المكان هو من أحسن أماكن موجودة أو أماكن طبيعية موجودة في أطلس الكبير. جبال أطلس الكبير. Je te suggère désormais de le visiter. أقترح عليك ولا عليك تو سوجير يعني اقترح عليك او عليك ديزورمي من الان ابتداء من الان دو لو فيزيتي يعني بزيارته ا بلوس جيكري مون نو ici la signature. Passons maintenant pour voir une belle vidéo, une merveilleuse vidéo de la compagnie Imouzar Idaoutanen. Je suis sûre qu'elle va vous plaire.